Salut Pascal. Salut Eva. Tu vas bien? Ouais, tranquille, et toi? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah écoute, je promène mes chiennes. Ouais, c'est ce que je vois. Il fait vachement beau en plus. Ouais, ouais, profitons-en, ça va pas durer. Ok. Donc tu nous as pas concocté un petit truc là? On va pas assister à une de tes petites scènes dans un coin de forêt? Bah écoute, aujourd'hui non. J'avais pas de pétasse sous la main, donc... Ouais. Donc voilà. D'accord. Parce que c'est ici que tu cherches tes pétasses, comme tu dis. Non, mais j'en ai pas. Donc justement, je viens me promener. Et puis, si je trouve un petit endroit tranquille pour faire mon prochain bucaque en forêt, c'est en pleine nature, c'est très bien. D'accord. Bon, enfin, des pétasses. Les pauvres. Non, des gentilles filles. D'accord. Des gentilles filles. Pas guillemets, tu vois. Ok. Bon, bah dommage, on n'assistera pas à une de tes scènes. Non, pas aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai pu voir sur ton site French Bucake que c'était assez chaud ce que tu nous proposais. Bon, ouais, je trouve ça tranquille. Ouais. C'est pas méchant, ça n'a rien à voir avec les scènes qu'on trouve en Amérique avec ouais. Les mecs. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, moi, je parle du bucake, tu vois, en lui-même. Ouais, tu trouves ça hors, toi. Un peu. Bon, moi, je trouve ça... Mais ça te va bien, ça te va bien. Ouais. Bah, tu peux peut-être nous parler de ton site un petit peu plus loin, il y a de quoi... Y a de quoi s'asseoir. Ouais, bah écoute, on s'asseoir par là. Ils sont sympas tes chiens. Tes chiennes. Ah, tes chiennes. Ouais. J'essaie qu'ils soient sérieux, j'ai fait des Bon bah, à défaut de scène, tu peux peut-être nous parler de ton site alors. Oui, alors donc mon site www.french-bucake.com. Ouais. Et puis, donc vous avez pas mal de scènes. Pour l'instant, je vais arriver à 100 scènes. Ah, c'est pas mal, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que du bucake. Hein. Non, il y a un peu du traditionnel, un garçon, une fille, deux garçons, une fille, trois garçons, une fille, plein de garçons. Ouais, j'ai vu, enfin, déjà on dit bucake ou on dit bukaki? Ouais, c'est bukake normalement, mais bon, de toute façon on s'en fout. Ok, c'est impressionnant, hein, des fois il y a beaucoup de mecs bah, ouais, sur place. Hein. J'ai réussi à voir 20-30 garçons maximum ouais. Pour l'instant. Maintenant, bon, j'arriverai peut-être à 50-100. Ah ouais, ça fait pas mal, dis donc. Ah ouais. Mais j'ai vu aussi que tu avais différents styles de scènes, du gonzo avec des amatrices, des actrices aussi. J'ai pu remarquer qu'il y avait Bambou, qu'il y avait... Oui, Cynthia Lavigne aussi. Oui, j'ai ouais. Quelques actrices, tu sais. Ouais. Faut bien qu'elles travaillent, les pauvres. Ouais. Donc, Ah mais c'est bien, il y a un panache sur ton site qui est assez complet. Ouais, ça va. Et j'ai trouvé ça sympa. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus aussi sur le fait comment tu as découvert le bucake et pourquoi? Bah écoute, avant je faisais pas mal de soirées privées et puis il y a pas mal de filles qui se faisaient gicler dessus. Ça m'a amusé donc je me suis dit tiens pourquoi pas faire ça. Ah ouais, donc l'idée t'est venue de là quoi. Voilà. T'as commencé comme ça. Donc t'as commencé dans les soirées privées et puis t'as vu une fille avec plusieurs gars et ça t'a plu quoi. Voilà, et puis bon j'ai fait un petit peu de tournage. Et puis, j'aime bien quand les gonzesses se prennent du sperme dans la gueule, ça m'amuse. Donc. D'accord. Mais, tu penses que ça plaît à un maximum de personnes ou y a-t-il un... Ou est-ce qu'il y a un certain type de spectateur, en fait, pour les bukkakis? Bah écoute... Parce que t'as des gens qui aiment et t'as des gens qui aiment pas du tout, quoi. Roca, alors, place. Place. Donc, Pascal, revenons-en à nos moutons. Sympa, hein? Ah ouais, excuse-moi, t'es là. Ouais, alors, ouais, un truc que je voulais savoir, c'est que j'ai l'impression que moi, que le bucake n'est pas apprécié par tout le monde. Et que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est... Enfin, j'ai vu sur certains forums que c'était assez critiqué et que ça plaisait qu'à un certain type de personnage, mais je vois que t'as quand même du monde qui participe sur tes bucakes, alors c'est un peu insensé, quoi. Bah oui, parce que tout simplement, les mecs, ils ont envie de se vider les couilles, donc ils viennent, ils s'inscrivent sur mes bucakes. Ouais. En plus, il y en a beaucoup qui vont en soirée privée, où ils vont s'amuser dans les boîtes de nuit, voilà. Et puis, surtout les boîtes d'échangistes. Ouais. Là, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme du bucake, il y a une fille avec plusieurs mecs. Et puis, d'accord. Mais maintenant, il y en a plein qui critiquent, et une fois qu'ils sont masqués et qu'on va pas les reconnaître, toi, ils viennent. Ouais, ils sont là, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, tu penses que c'est un peu faux cul de leur part, quoi. Oui, il y a beaucoup de faux cul, comme partout d'ailleurs, dans le milieu du X, un petit peu plus qu'ailleurs, mais c'est ouais. Pas un problème. Je m'amuse tranquillement, et puis. Ceux qui vont venir et viennent, les autres on s'en fout. Ouais, t'as raison, bah tu fais ton petit truc, cool quoi, ça plaît pas. Hein. Tout à fait. Enfin, pour ceux que ça plaise, bah ils peuvent venir participer. Et c'est souvent les mêmes personnes qui viennent sur une scène ou
t'en as des nouveaux à chaque fois? Écoute, j'ai toujours un petit noyau dur qui commence à être habitué là. Ouais. Ils sont contents, la plupart ils n'ont pas trop zèze. Ouais. Et puis, tu m'as dit qu'ils te relançaient, quoi, qu'ils t'appelaient souvent pour savoir quand est-ce que tu tournais. Okay, bah, de toute façon, je les contacte par mail, donc régulièrement, j'envoie des nouvelles pour. Ouais. Surtout des photos, pour comme ça ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent. Ouais, tu gères bien tout ça, quoi. Ouais, ça va, tranquille. Bah, c'est du boulot. Et tu en fais un par mois, un par semaine, à quel rythme tu. Écoute, en moyenne, je dirais un par mois, des fois j'en fais deux, des fois j'en fais. Non, en moyenne, on va dire. En bukkake, d'accord. Et tu fais des scènes après à côté, quoi. Ouais, scènes classiques. Quand j'ai des gonzesses de livres, bah, écoute. Ok. Et ça va, t'as de la disponibilité? Oui, ça va, on en trouve toujours. Ouais. Souvent on passe des annonces, ou alors j'ai des potes qui m'envoient leurs copines, et puis voilà. Ouais. Ok. Bah, j'ai vu que les filles appréciaient quand même ce genre de pratique. Hein. Bon, bah, écoute, t'as tout. Hein. Maintenant, au début, ah non, j'aime pas trop, et donc elles se prennent une gicler dans la gueule, et puis après. Bon. D'accord. Une fois qu'elles ont commencé. J'adore le langage de Pascal. Bah écoute, Pascal, tu vas nous rappeler l'adresse de ton site? Oui, donc www.french-bukek.com. J'ai vu aussi que tu avais à disposition une boutique sur ton site. Tu peux m'en dire. Tu peux me dire quelque chose là-dessus avant de partir? Oui, j'ai produit 4 DVD déjà, donc il y a 3 scènes dessus. Ouais. La matrice, c'est pas des bukek, mais. Donc bon. Tu vends certaines scènes? Tout à fait, oui. D'accord. Soit pour les webmasters ou alors pour les particuliers aussi. Ok, d'accord. Et tout ça sur le même site? Pareil. C'est hein. frenchbukek.eu. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'est cool. Merci Pascal. Bah, écoute, Ava, surtout n'hésite pas si tu veux faire un petit bukek pour moi. Hein. Bah écoute, je sais pas si on t'a dit, mais moi je suis à la retraite. Hein. Ouais, t'en fais pas, tu prendras bien un petit coup de bite de temps en temps. Hein. C'est fini ça. Rêve. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, et oui. Puis bonne continuation. D'accord. Éclate-toi bien. D'accord. Et amuse-toi bien. Ok. Ciao.